is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. Ce 36e épisode de mon podcast créatif consacré au tricot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode du mois de février. Et en plus, on est le 14, donc j'en profite aussi pour souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Pour ma part, je la fête pas, mais voilà. Parce que c'est la Saint-Valentin tous les jours avec un amoureux, donc on n'a pas besoin d'avoir une journée spéciale par an, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tiens, bah, petit clin d'œil à Marjivac, dont j'ai découvert les podcasts très très récemment. Jamais trop tard, mais elle me fait beaucoup rire, donc petit clin d'œil du coup avec ces n'est-ce pas que... qui m'amuse beaucoup parce qu'on a tous des tics de langage, hein. Moi je pense que bah, comme tout le monde, je dis beaucoup donc, du coup, etc. aussi, je dis beaucoup etc. Bref, et bref. donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc il n'y aura pas avec moi de récapitulatif aiguille en fait, ni quoi que ce soit, parce que bah, je n'y ai pas été. Hein. Je pense que si j'y avais été, je vous l'aurais dit, j'aurais essayé de rencontrer quelques personnes. Non, j'ai pas été cette année, j'étais l'année dernière, j'irai... Je pense que je vais aller l'année prochaine, parce que c'est quand même très frustrant. De voir toutes les podcasteuses en parler avant, d'en parler pendant, avec toutes les photos Instagram, et puis en parler après, sans doute, avec plein de comptes rendus dans leurs prochains épisodes. Bon, bah, c'est tout, hein. C'est une épreuve à passer pour ceux qui n'y vont pas, mais c'est comme ça, j'ai décidé de pas y aller, parce que bah, voilà, c'est vrai que c'est... C'est aussi un budget que j'avais pas trop envie de mettre là tout de suite. Enfin voilà, je savais bien que là-bas j'allais craquer énormément au niveau des achats de laine et c'était pas raisonnable. Donc voilà, j'ai pas été cette année, mais je pense que j'anticiperai pour l'année prochaine et pour essayer d'aller l'année prochaine. Donc cet événement-là ne fera pas partie du podcast. Par contre, dernièrement, il y a quand même eu d'autres événements laineux qui me concernent. Donc ça fait un peu moins de 3 semaines, je ne sais plus, à peu près, où Héloïse m'a rejoint, donc Tricot Louloute m'a rejoint un samedi pour aller à la cabane tricotée. Et il s'est avéré, je l'avais appris très 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 peu de temps avant, que c'était le tout dernier tricoté organisé dans cette boutique, puisque malheureusement Cécile, la gérante, a dû fermer. Donc c'est pour ça que j'avais aussi envie d'un petit peu partager le décor au tout début du podcast par les petites vidéos, parce que ça reste un endroit magique, magnifique, dans lequel j'ai passé des super moments, où j'ai rencontré des super personnes, et qui a vraiment contribué au développement du loisir tricot en ce qui me concerne,
avec tous les échanges que j'ai pu avoir là-bas, toutes les laines que j'ai pu y acheter aussi. Hein, j'ai pas compté, vaut mieux pas. Mais malheureusement, ce lieu a fermé. Alors, c'est pas tant la boutique en elle-même le problème, mais c'est simplement le local en fait qui n'a pas pu être poursuivi à cause du propriétaire. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc là, quelque part, la cabane Tricotée existe toujours. Hein. Il y aura toujours la boutique en ligne. Cécile fera toujours des événements en dehors, des festivals, etc. Mais l'adresse, cette place du Saint-Sépulcre à Cambrai, c'est terminé, malheureusement. Donc peut-être qu'un jour, une boutique physique réouvrira. Je pense que c'est l'objectif de Cécile, mais pas dans l'immédiat, évidemment, ce qui est tout à fait normal. Il faut le temps aussi de faire son deuil et de se remettre de ce type d'événement. Alors c'était quand même très 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 intense comme tricoter, il y avait énormément de monde, j'ai rencontré Cécile de Que font mes mains, c'était super sympa, les habitués étaient là, des personnes qui n'étaient plus venues, oula, reviens! Des personnes qui n'étaient plus venues depuis très longtemps sont repassées comme Nathalie, Atelier 292, il y avait la boîte à fabrique, il y avait voilà des personnes qui, ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas là, n'étaient pas venues, pardon, et sont venues spécifiquement ce jour-là, même sans forcément savoir que c'était le dernier. Donc comme s'il y avait une espèce de d'onde d'émotion. Enfin voilà. C'était vraiment une très 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 chouette après-midi, et puis du coup moi j'ai fait le trajet avec Héloïse, c'était super sympa aussi. Voilà, alors je continue sur ce versant-là pour dire que Daphné, donc Pix and Croc sur Instagram, m'a fait un super cadeau aussi ce jour-là, donc je suis d'autant plus touchée parce que, bon, vous savez que je ne couds pas. Et que ben, moi, enfin, pour ranger mes tricots, j'utilise des tote bags tout bêtes, quoi. Hein. Ils sont jolis, hein. Par exemple, j'ai le tote bag La Fée File avec le lapin. J'ai un tote bag Le Chat qui tricote. Alors, c'est bien, mais c'est des tote bags. Donc, ça a quand même un petit peu léger, pas très encadrant le tricot. Enfin, voilà. Et donc, j'avais. Plusieurs fois, j'ai flashé sur les pochons que peuvent faire les personnes qui cousent, et notamment ceux de Daphné. Et donc ce jour-là, je dis à Daphné, alors tu m'en as fait un pour rigoler, et elle me dit, bah ouais, si tu veux, je t'en donne un. Ok. Donc merci beaucoup. Donc voilà, j'ai embarqué un de ces pochons, donc c'est un peu le format du Freshback, hein, et elle me l'a donné, en plus Bordeaux, donc j'adore, et puis j'ai tout de suite mis des petits. J'ai fait mon mouton, hein, et puis j'ai claqué des petits pins qui redeviennent vachement à la mode. Alors vous avez le fameux la fameuse anse, et à l'intérieur vous avez des poches. Enfin voilà, il est juste top. Je suis frustrée d'en avoir qu'un maintenant. Bon, j'arrête j'arrête de dire ça, sinon après les gens vont se dire bah alors. Mais voilà, enfin merci, merci beaucoup Daphné, je l'adore, je mets toujours mon projet en cours dedans. Parfois, comme je change de projet sur lequel je travaille, je change de sac pour avoir toujours celui-là avec moi. Mais voilà, je l'adore, il est super, merci, merci, merci. Voilà pour ce que je pouvais dire à la cabane. Alors j'ai fait quelques achats, j'en parlerai comme d'habitude à la fin du podcast, en parlant aussi des futurs projets et tout ça. Et puis, ben, on va re-rentrer dans le vif du sujet et on va parler des projets terminés. Alors, pour ce mois-ci, j'ai trois projets terminés, dont des petits projets un petit peu inattendus. Enfin, inattendus. Pas qui sont inattendus, mais voilà, qui font pas partie des grosses pièces que je peux tricoter tout au long de l'année. Donc le premier, je vais directement évacuer les petits projets. Donc le premier, c'était un gilet pour Charline que j'ai commencé en septembre et qui est resté au dodo pendant des mois parce que j'étais en panne de laine en fait. J'étais en panne de laine, donc j'ai utilisé de la Fonty Guéret, un coloris bleu marine bien foncé, donc ce qui s'appelle coloris mûr, donc c'est le numéro 5 d'ailleurs, si vous cherchez le numéro. Et en fait, c'est un coloris que j'avais acheté chez Madeleine Yarns,
Ouais, c'est ça, la boutique Madeleine en ligne. Et en fait, il est que là. C'est-à-dire que quand on va sur d'autres boutiques en ligne et qui vendent de la Fontiguerais, ce coloris-là en particulier n'est pas vendu. Donc, je sais pas s'il est rare ou quoi que ce soit, mais voilà. Et donc, quand je me suis retrouvée en panne de laine, j'avais envoyé un petit message comme ça, général, pour savoir si quelqu'un avait un reste. J'ai pas trop eu de retour, donc je pense que voilà, ça rend le coloris d'autant plus rare. Et j'ai quand même mon amie Fabienne, Charlie Hebdo, Hippo Clap Clap, qui m'a dit, bah attends, moi j'ai de la Fontiguerais, alors j'ai plus les étiquettes, mais j'ai du bleu marine, donc ça va peut-être correspondre à ton coloris. Je dis, bah ouais, bah tu m'envoies ça quand on se voit, ou tu m'envoies ça dès que possible, etc. Après, ça a beaucoup traîné parce qu'elle était enceinte, en fin de grossesse, puis elle a eu son bébé, sa petite fille. Voilà, donc forcément, elle avait autre chose à faire que d'aller poster un colis. Et puis finalement, il y a, je sais pas, quelques semaines d'ici, elle me l'a envoyé. Et manque de peau, c'était pas le bon coloris. Donc finalement, j'ai attendu pour rien, entre guillemets, mais je m'en fous. Après, c'était un projet sur le côté qui n'était pas si urgent que ça. Sauf que bon, ma fille grandit quand même et avait quand même envie de lui mettre. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis, hein, j'ai pas le choix. Et j'ai recommandé chez Madeleine Yarn uniquement une pelote de Fontiguerais. Donc j'en ai eu pour presque autant de frais de port que de pelote, mais tant pis, c'est comme ça. Bref, voilà, donc ce sera. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer pas mal de choses assez foncées, donc ça va pas forcément le faire. Mais on va essayer. Donc hop. Ah ben voilà, là c'est bien. Donc c'est en fait le Lady Marple que j'ai adapté en petite taille. D'accord? Donc ce n'est pas le Miss Marple, on est bien d'accord. C'est pas le patron du Miss Marple, puisque de toute façon le Miss Marple, c'est pas la même épaisseur de laine, c'est pas le même motif. Normalement, il n'y a que deux bandes. Moi, j'en ai fait trois comme sur le Lady Marple. Donc j'ai bidouillé le début en faisant un bottom-up. Bon, les manches. Oui, en faisant un bottom-up. Bon, les manches, j'ai bidouillé un petit peu les rangs raccourcis. Ouais, ce qui fait que les épaules sont un tout petit peu peut-être trop carrées pour une petite fille. Mais quand elle le met, voilà, enfin ça passe nickel quoi. Et j'ai fait un I-cord pour le col parce que je trouvais que des côtes ça allait faire peut-être un petit peu trop serré. Et là ça passe bien. Donc elle le met, il est même encore un peu grand. Donc je pense que ça lui ira encore l'hiver prochain. Donc même si j'ai traîné à le finir, c'est pas trop gênant. Voilà, donc enfin terminé. En fait, il me restait juste un bout de manche et l'I-cord à faire. Donc, ça a été extrêmement vite. Je veux dire, en une soirée, c'était réglé. Je l'ai bloqué dans la foulée et 2 jours plus tard, elle pouvait le mettre, quoi. Donc, c'est le genre de projet un petit peu bête hein, qui traîne et alors que ça prendrait vraiment pas beaucoup de temps. Mais c'était à faire et je suis contente que ce projet-là soit enfin terminé et fasse partie de sa garde-robe. Surtout que du coup, on pourra faire des duos mère-fille, mini Lady Marple et maman Lady Marple. Maintenant, en parlant de ça, il y a quelques projets qu'il faudrait sans doute que je reprenne parce qu'il y a, en fait, j'ai des projets terminés, donc terminés, sur lesquels il y a des choses qui me gênent et que je devrais retravailler. Par exemple, le Lady Marple, finalement, vous savez, j'ai fait l'encolure en faisant tout le tour d'un coup, en fait. Et franchement, ça tombe pas bien. Autant quand je vois Lise porter le sien, j'ai l'impression que ça va bien, que ça se met bien et qu'elle a pas elle a pas une vieille, un vieux bourrelet, une vieille vague ici. Moi, ça fait ça. Et du coup, je trouve pas ça joli. Donc, c'est le genre de truc que je devrais reprendre. Donc, je devrais détricoter toute la batte de boutonnage, l'encolure, et la refaire comme c'était préconisé en fait. Donc, faire les trois de façon séparée pour qu'ici au moins ils tombent bien et que ça fasse pas une vieille vague moche quoi. Donc, bon. Bah, au moins celui-là c'est fait. Mais c'est vrai que du coup, je porte pas trop mon Lady Marple à cause de ça. Faudrait que je le reprenne. Mais c'est difficile hein, de prendre un projet terminé, de le recommencer. J'avais fait ça pour le Old Romance, qui avait aussi un problème au niveau de la patte de boutonnage.
C'était pas très très rigolo, hein, mais c'est vrai que ça n'a pas non plus pris tant de temps que ça, quoi. Faudrait faire ça entre deux projets terminés. Enfin, entre deux en cours, plus, je dirais. On finit un en cours, on fait ça avant d'attaquer un autre truc. Faut avoir une capacité de self-control assez importante. Enfin, bref. Je suis vachement blanche aujourd'hui. Merci la lumière de l'hiver. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce petit Lady Marple? Rien. Mini Lady Marple, que je l'ai appelé. Voilà. Et en fait, je l'avais commencé dans un des tournois de Knittich. Bah ouais, c'est en septembre. Donc, il y avait quand même une partie du métrage qui avait été intégrée à un des matchs. Donc, c'était pas mal. Voilà pour ce premier projet terminé. Deuxième projet terminé, qui est aussi un petit projet. J'ai eu envie. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je fais quand même beaucoup de pulls, de gilets depuis l'automne, hein, depuis la saison automne-hiver 2018. Et bon, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est quand même du temps d'investissement. Faut se taper des manches. Enfin voilà. Donc j'avais besoin un peu d'une pause et une pause d'estache un petit peu. Et donc j'ai eu envie de faire un bonnet parce que les bonnets, c'est vraiment pratique. Quoi. Bon, déjà j'aime bien les porter, hein, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et aussi parce qu'au niveau du tricot, bah, ça va assez vite. Bon, ça dépend quel bonnet, hein. Selon le motif, selon l'épaisseur de la laine, ça peut être quand même plus ou moins laborieux. L'année dernière, j'avais fait le Quist Hat en fingering avec un motif qui était quand même assez long. Et en plus que j'ai dû le détricoter, le retricoter parce que j'avais fait 2-3 trucs qui n'allaient pas. Ça m'avait quand même du coup pris du temps et ça m'a pris un peu la tête. Et au final, il est un peu petit, donc c'est ma fille qui le met. Voilà, super. Donc là, je voulais un projet, un bonnet en déca et qui puisse me permettre d'utiliser un écheveau de mon stash pour éliminer quoi. Donc, j'avais dans mon stash un écheveau de Lilou. Oui. La marque Lilou, donc c'est une marque qui est connue aussi, mais qui n'est pas facile à obtenir en France. Et je l'avais racheté en déstache à quelqu'un sur Instagram. Je me demande si c'est pas Aline Knits, mais je ne suis pas sûre à 100%. Bref, donc c'était la qualité Delicate Fingering, donc c'est avec de la soie et en single. Couleur Elvira. Donc on est sur un. C'est compliqué à expliquer. C'est un violet très foncé qui tire sur le gris et assez désaturé en fait. Et au final, ça passe bien avec du gris et avec du bleu marine. Donc parce que je sais pas, c'est de loin comme ça, tout de suite, on pourrait penser que c'est bleu marine aussi. C'est assez comique. Et donc le patron que j'ai choisi, pareil, je voulais un truc assez simple, enfin assez basique. Voilà, il y a un motif, mais je veux dire, enfin c'est un patron gratuit. C'est un patron gratuit et en plus qui a beaucoup de succès parce que j'ai dû le trouver dans les Hot Right Now, dans les bonnets. Donc voilà, je suis tombée là-dessus, j'ai trouvé le motif très très joli et je me suis dit, allez, on va faire celui-là. J'utilise la laine de mon stash et c'est parti. Et donc le nom du bonnet, c'est Coral Reef 2, 2, 2. Je n'ai pas le nom de la personne qui a créé ce bonnet, c'est honteux. Donc je vous renvoie à la page Ravelry, mais de toute façon, je l'aurais noté sans doute en barre d'infos. Voilà. Et je lui ai ajouté, évidemment, accessoire indispensable sur les bonnets en ce moment, un petit pompon tout doux que j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté un ensemble de bonnets, je crois qu'il y a un ensemble de bonnets, un ensemble de pompons, je crois qu'il devait y en avoir 16 dans un pack, avec plein de couleurs différentes. Il y a des blancs, des noirs, des gris, un peu beige, mais avec des effets dégradés vers le noir, enfin vous voyez, un peu renard quoi. Voilà, ça coûte rien, ça coûte 15 euros ou 10, même pas 10 euros, je crois, pour les 16 bonnets, pour les 16 pompons. Par contre, ça vient de loin, hein, donc ça a mis un moment à arriver, donc j'ai pas pu le mettre tout de suite, mais maintenant il est mis, donc je vais l'essayer. Voilà. Donc c'est un bonnet quand même assez chaud parce que vous avez un gros revers. Vous avez un gros revers au niveau des oreilles. Mais voilà. J'adore le pompon parce qu'il est gris, mais justement avec des reflets violets. On ne pouvait pas rêver mieux pour l'assortiment en fait avec le bonnet. Tic.
Voilà. Donc j'ai pas mis très très longtemps à le faire. Je crois que j'ai mis une semaine, mais je faisais pas que le bonnet. J'alternais quand même avec autre chose. J'ai quand même fait quelques modifications. Donc là, vous voyez, hein, y a quand même un gros paquet de côtes à faire avant d'attaquer le motif. Je pense qu'il fallait faire 10 cm et j'en ai fait 12. Enfin, je sais que j'ai rajouté 2 cm pour être sûre qu'au niveau du revers, ça se mette bien sur les oreilles parce que j'avais peur que ça soit trop court. Et pareil, le motif, j'en ai fait un de plus. Donc un motif, en fait, ça représente deux V ici. Donc en fait, il y en a deux de plus que ce qui est préconisé. Et vous voyez que quand je le mets, il n'aurait pas fallu qu'il soit plus petit, hein. Il n'aurait pas fallu qu'il soit plus petit. Il n'est pas slouchy. Il n'est pas slouchy du tout. Donc, je suis contente de l'avoir rallongé parce que sinon j'aurais peut-être eu un petit souci. J'aurais peut-être eu un petit souci de taille, quoi, au niveau de la profondeur de ma tête. Après, j'avoue, je fais pas d'échantillon pour les bonnets, donc c'est peut-être ma façon de tricoter qui a fait que j'avais besoin de le rallonger. Sans doute, hein, d'ailleurs, parce que vous savez bien que je tricote serré. Mais en tout cas, là, franchement, il est juste parfait et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça vraiment très 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 joli. Très joli. Pour les torsades, donc il y a des torsades, hein, comme vous voyez. Hop. Et moi, j'ai utilisé la technique des mailles glissées pour ne pas avoir à utiliser d'aiguille auxiliaire. Parce que sinon ça rallonge considérablement le temps de tricot du bonnet. Donc là, voilà, ça a été. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce que comme oui, c'est vrai que je l'ai pas dit. Comme c'était un écheveau de fingering, ben, j'ai tricoté en double le bonnet. Je l'ai tricoté en double. Donc j'avais à chaque fois deux fils. C'est vrai que c'est moins évident avec deux brins à chaque fois de glisser les mailles pour faire les torsades. Mais c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Il n'y a pas trop de soucis. Et voilà, du coup, ça m'a cramé un écheveau solitaire du stage. Malheureusement, j'ai beau l'avoir rallongé, j'ai quand même un reste. Hein, il me reste 15 grammes, je pense, sur 100 grammes. Donc, bon, ça va, c'est pas non plus un reste énorme. Mais encore une fois, je me retrouve avec une boulette. Je sais pas ce que je vais en faire, quoi. Je vais à réfléchir, quoi. Mais voilà, je suis quand même super contente de ce bonnet. Ce sera le bonnet d'hiver 2018. Je sais pas si j'en ferai un autre cet hiver. Je dois en faire un à ma maman. Mais du coup. Pas pour moi, quoi. Faut que j'en fasse un à ma maman. Mais j'ai le temps parce que je crois que je vais le faire pour son anniversaire. Et c'est en mai. Bon, elle va avoir un bonnet en mai, hein, c'est un petit peu ridicule, mais elle l'aura pour l'hiver suivant. Voilà. Voilà. Et puis, le troisième projet terminé. Bon, bah là, c'est le gros machin, le gros morceau. C'est mon granito, my beautiful granito. Qui sature à mort, et voilà. Donc, petit rappel du contexte, tricoté dans le cadre du cal organisé par l'ANAE et Elise Taylor, le cal Granito, qui a attiré pas mal de monde quand même. Sachant que c'était un projet dans ma tout knit list. Bon, j'en ai profité pour le faire à ce moment-là, et puis j'avais en stock superbe laine du scarabée, les laines du scarabée, coloris Saturnal qui a un bordeaux à tomber par terre, j'adore la couleur. Donc là, je veux dire, je dirais pas que c'est mon pull préféré parce qu'à chaque fois on dit ça quand on termine un pull souvent, mais vraiment là, il est top, je l'adore quoi. Bon, maintenant, deux trois petits problèmes quand même, hein, évidemment. Rien n'est jamais parfait au tricot, hein. Faut quand même se le dire. Premier problème, bah, ça se voit, différence de bain. Je n'ai pas alterné les écheveaux. Alors pourquoi j'ai pas alterné les écheveaux? C'est vrai que d'habitude, je termine quand même mon dernier écheveau avec le début du deuxième et je fais des rayures à ce moment-là pour avoir une transition en douceur au cas où il y aurait une différence de bain. Et ça fait quand même un moment que je ne l'ai pas fait parce que j'ai tricoté pas mal de laine. Industrielle dernièrement, la Charisma, la Fontiguéret, qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre dernièrement? Enfin, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas alterné des écheveaux. Et donc là, je me suis dit, non, je vais pas le faire. Voilà. Et ce qui est un peu con, c'est que en fait, c'est juste à cet endroit-là, quoi. Parce que tout le reste, par exemple, les poches. J'ai dû aussi reprendre et là par contre il n'y a aucune démarcation.
Donc j'aurais peut-être pas dû, si j'avais pris un autre écheveau ou si je l'avais commencé de l'autre côté, j'aurais pas eu la démarcation. C'est vraiment la fin du premier écheveau qui va vers le clair en fait, qui est plus clair que le reste. Alors encore une fois, ça se voit beaucoup plus fort à la caméra qu'en vrai, et en cours là ça va. Et en fait, en gros, j'ai une bande plus lumineuse au milieu quoi. Alors je l'ai porté plein de fois déjà, il a déjà été lavé. J'ai tenté un petit peu comment dire, de demander à mes collègues en le portant, il n'y a rien qui vous choque? Elles n'ont pas su me dire. Donc je pense qu'en fait, moi je fixe un peu dessus parce que c'est moi qui l'ai tricoté, parce que je suis tricoteuse, donc je vois plus facilement les défauts et tout ça. Mais après, c'est un défaut qui n'en est pas un, hein, je veux dire, c'est tout quoi. Après, c'était mon choix de pas alterner les écheveaux, j'assume. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu un manque de bol parce que je vous dis, les trois écheveaux sont vraiment de la même teinte, il n'y a aucun souci, c'est juste la fin du premier qui éclaircit. Et donc, forcément, en réutilisant le deuxième, ça a remis du foncé, quoi. C'est un peu de la malchance, mais bon, c'est pas grave. J'adore le pull. Je le porte déjà, je le porte énormément. J'ai de la chance parce qu'il est quand même pas mal boxy. Donc moi je fais 88 cm de tour de poitrine et là moi je suis sur du 105-110 cm je crois. Donc j'ai une aisance positive assez intéressante. Alors évidemment par rapport au boxy-boxy non, mais il est bien carré quand même quoi. Il est quand même bien carré. Voilà. Sinon pas de difficulté particulière, hein. C'est quand même un patron qui est simplissime, qui est quand même pas mal pour les débutants. Le seul truc un peu difficile, entre guillemets, c'est les poches. Alors pour moi, ce qui est difficile dans les poches, c'est les coutures, hein. Je déteste ça. Je l'ai fait comme préconisé, et si on regarde l'envers de la poche. Voilà, j'espère qu'il a fait la mise au point, je peux pas vérifier. C'est propre, mais bon, c'est pas folie, quoi. Après, on s'en fout, on voit pas l'envers. On voit pas l'envers du tout. Sinon, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Non, rien. J'ai eu un petit peu peur au moment de faire les manches, parce que d'habitude, donc comme c'est un boxy, il vaut mieux que les manches soient quand même fitées pour donner un aspect pull à sa taille et pas un pull trop grand. D'accord? Donc c'est aussi ça l'intérêt des pulls boxy, c'est d'avoir des manches bien fitées derrière. Et le nombre de mailles à relever me semblait assez élevé. Bon, je l'ai fait. Et en tricotant, je trouvais la manche assez large. Donc j'ai eu un petit peu peur. Et en fait, pas du tout. C'est vrai que c'est plus large que d'habitude. D'habitude, j'ai des manches qui ont un peu tendance à. Les mailles ont tendance un petit peu à s'écarter, surtout au niveau du gras du bras ici. Et ben là, non, du coup. Et en fait, c'est vachement agréable parce qu'elle est fitée, mais sans tirer. Donc en fait, je veux dire, là c'était vraiment la taille pile poil. Donc il faudrait que je retienne le nombre de mailles qui étaient à relever. Comme ça, je sais que pour mes prochains pulls, peut-être plutôt partir là-dessus. Si jamais le patron préconise moins de mailles, ben je sais que je peux quand même partir là-dessus. Puis moi, je l'ai tricoté en 3,75, hein, le granito. Hein. Il y en a qui doivent descendre jusqu'aux aiguilles 3, 3,25. Non, non, moi, c'est 3,75 et puis il n'y a pas de souci. On est bien sur la bonne taille. Et puis les mailles ne sont pas trop ajourées. Enfin, voilà, la laine drape bien comme il faut. Il tombe nickel. Il est vraiment topissime, ce pull. Voilà. Pa, 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 pam. Je réfléchis de rendre moins sur le devant. Ah oui, bon. Oui, au niveau du col, c'est vrai que c'est un col qui monte assez haut, hein. On n'est pas sur du tout, bah, comme ici aussi, on n'est pas du tout sur un décolleté. Mais moi, en plus, j'ai fait une erreur au début du patron, donc au moment de faire les deux demi devant. J'ai pas fait assez de répétitions de rang raccourci. Ce qui fait qu'en fait, j'ai encore moins creusé le col que préconisé. Mais ma tête passe sans souci. Donc, voilà. Après, c'est sûr que c'est un col qui monte assez haut. J'avais juste peur que ma tête passe pas, mais la tête, elle passe. Donc, c'est bon. Voilà. Voilà pour le petit granito que je suis très très contente d'avoir fini. Et à la limite, c'est le genre de pull que je pourrais refaire. Hein. Je vous dis, hein, il y a rarement des patrons que je me sens motivée à refaire parce qu'il y a tellement de possibilités que c'est un peu dommage de re-répéter quelque chose. Mais là, à la limite, ça pourrait être un pull à refaire. Surtout qu'il y a des versions magnifiques dans d'autres coloris que je trouve vraiment très très sympa.
Mais je suis contente d'avoir choisi une couleur bordeaux. Je trouve que ça lui va bien. C'est une couleur qui va bien à ce patron-là. Celle de Coral, le granito de Coralie aussi, il est très très beau. C'est aussi un bordeaux, mais je pense qu'il tire un petit peu plus sur le prune. Et puis celui de Lys qui est rouge vif, là c'est sympa aussi. C'est des couleurs qui lui vont bien. Maintenant, c'est vrai que Rory Locatelli a quand même encore sorti des patrons de pulls très simples, de type boxy. Donc pareil, est-ce que vous ne pas mieux faire plutôt un de ceux-là plutôt que de répéter le granito à voir. Ou alors un granito sans poche. Un granito sans poche, ça peut être aussi envisageable. Voilà. Je le plie. Tac. Tac, tac, tac. Il y a mon chat qui veut rentrer, mais tant pis. Et c'en est terminé pour les projets finis. Je change de feuille. Et je fais une pause boisson. Elle est où ma boisson? Elle est là. Ouais, du Coca Light à 9h44 du matin, c'est horrible, je sais. Oui, il est 9h44 du matin. Voilà. Alors, les encours. Bon. Je me suis un petit peu dispersée. Un petit peu dispersée, parce que souvent j'essaie de rester à deux encours, un gros projet et un plus petit. Ou un pull, un châle, ou un pull, un accessoire. Enfin voilà. Là, j'ai quand même quatre encours. Bon, c'est pas non plus la mort, surtout que c'est quand même des encours qui avancent, donc on n'est pas sur des trucs qui dorment vraiment énormément. Mais en ce moment, il y a, je sais pas, il y a des sorties de patrons où t'as envie de commencer tout de suite. C'est un petit peu. Et puis là, même comme ça, je me freine parce qu'il y a encore des nouvelles choses qui sont sorties là ces dernières semaines que j'ai envie de faire, mais je me dis non, finis ce que tu as en cours. Donc ce que j'ai en cours, j'ai toujours le Anna Summer Cardigan de Petite Knit. Je ne vais pas en parler ni vous le montrer cette fois-ci parce que c'était déjà un en cours à l'épisode précédent et j'espère que ça sera un projet fini à l'épisode prochain. Donc je me dis que je ne vais pas en parler quatre fois non plus, donc j'en parle pas cette fois-ci. Il a avancé un petit peu par rapport à la dernière fois. En fait, en gros, il reste les manches à tricoter. Donc là, si je me motive, en 3-4 jours, c'est fait, c'est des manches en déca, donc voilà. Donc je pense que j'en parlerai au prochain épisode, quand ça sera un projet terminé, ça sera plus pertinent. Mais c'est un encours qui existe toujours. Le deuxième encours fait partie d'un de mes coups de cœur. En fait, les trois projets, enfin, ouais, à peu près, les trois projets que je vais vous présenter ensuite, c'est des coups de cœur que j'ai eus là ces dernières semaines et pour lesquels j'ai pas pu m'empêcher de monter en fait. Le premier. Alors là, il est sur un petit câble, donc c'est pas super super. C'est un châle qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Même pas un mois, je pense. Que j'ai trouvé vraiment sympa, parce que je vous avais dit hein, que les châles en ce moment, c'était un peu l'overdose, je les trouvais pas originaux. Enfin, non. J'ai trouvé trop originaux en fait. Tous ces mélanges de couleurs, des rayures, c'est vraiment pas évident à porter. Enfin, moi là, je ne. Enfin, là, j'ai encore bien épuré mes châles, j'en ai encore vendu parce que je les mets pas, parce qu'ils sont. Enfin, des trois couleurs, c'est un petit peu compliqué, quoi. Ou alors, il faudrait trois couleurs dans les mêmes tons. C'est un peu pour ça que maintenant, les fades, ça marche quand même assez bien. Mais bref, donc j'ai flashé sur le I Smell Snow de B. Mandarins, alias Melody Hoffman. Châle café, du coup, aussi, parce qu'elle a eu le même coup de cœur que moi. Happy Sweet Peach Factory, Amélie, que j'embrasse. Salut! Et qui est magnifique d'ailleurs, elle a fait un dégradé de rose sublime. Hein. Normalement, c'est un châle qui se fait en deux couleurs. Elle a mis 4 ou 5 couleurs, je pense, en dégradé de rose, très 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 joli. Bref. Donc voilà, j'ai vraiment flashé sur ce châle qui est simplement un triangle, enfin, c'est un carré plié en deux en triangle. Je vous le montre, peut-être ce sera plus pertinent. Hein. En gros, c'est le trendy châle moderne. Donc, un triangle finalement qui revient ici. Sauf que, en fait, c'est un carré qui était replié en deux. Donc, on va se retrouver avec un châle assez chaud puisqu'il est doublé, qui peut se faire en fingering. Donc, c'est quand même sympa aussi.
Maintenant, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça magnifique. Puis j'ai creusé un petit peu, j'ai regardé les explications. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il fallait 4 échevaux, 2 échevaux d'une première couleur et 2 échevaux de la deuxième couleur. Je fais, ouah, punaise, laisse tomber encore là. Du coup, forcément, j'avais pas ce qu'il fallait en stock. Parce que soit j'ai des quantités pulls, donc j'ai 3 échevaux de la même couleur. Soit j'avais encore des échevaux solitaires pour faire aussi des châles éventuellement. Mais un n'aurait pas suffi et j'avais pas envie de mettre 4 couleurs différentes. Voilà. Donc j'étais vachement refroidie quand j'ai vu qu'il fallait 4 échevaux. Bon, d'un autre côté, c'est bien parce qu'on sait que du coup, ça va faire un grand châle, mais pff, voilà. Donc j'ai réfléchi, j'ai ouvert mes boîtes et je me suis dit, bon, voilà, écoute, t'as blindé de reste, ma boîte de reste, elle est pleine maintenant, je vais avoir un souci avec le stockage de reste, c'est quand même bien dommage. Donc je me suis dit, essaye de voir si tu peux pas le faire en reste, uniquement avec tes restes. Donc ça voulait dire que du coup que j'allais pas avoir deux couleurs, mais pléthore de couleurs, hein. Là je pense que du coup il y en a 7 ou 8 de prévues. Je sais plus, j'avais posté une photo Instagram avec toutes les petites boulettes que j'allais mettre, pardon, que j'allais mettre dedans. Et en fait, voilà, je vais faire, enfin je vais faire, je suis en train de faire un Ice Melt Snow en mode fade, encore, désolé. On va jamais en sortir avec tous ces trucs de fade là, mais bon, c'est la mode, hein, c'est tout, hein, maintenant. Maintenant on fait des pulls, des gilets, les bonnets, on n'a pas encore fait de bonnet fade, ou alors je suis pas au courant, mais enfin bref. Donc voilà, je vais faire un peu comme le Find Your Fade, des rayures pour transitionner les différents restes. Et donc bah moi j'avais des restes de gris, donc pour rester dans quelque chose de neutre, j'ai décidé d'utiliser mes restes de gris. Alors oui, mon Find Your Fade est gris, donc c'est un petit peu débile. Du coup je vais avoir quand même deux châles dans les mêmes tons. Mais bon, c'est pas du tout le même modèle, la même inspiration, donc voilà, je reste là-dessus. Donc là, j'ai déjà mis 4 couleurs, je pense. Donc, désolé, le câble est tout petit. Donc j'en suis là. Et en fait, ce qui se passe, ça se dégrade quand même relativement bien. Les deux premières couleurs, on voit aucune différence pratiquement. Je vais pas vous détailler c'est quoi, parce que j'avoue que. C'est pas que je sais, enfin si, je sais plus avec précision ce que c'est exactement, mais je vous invite, si vous voulez savoir exactement les couleurs qu'il y a dedans, comme d'habitude, allez voir la page Ravelry consacrée à ce projet, parce que je détaille le nombre, enfin les couleurs, et puis aussi les grammages. Alors je les ai pas encore indiqués, mais pour l'instant, de toute façon, j'utilise tout. Donc ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je regarde dans mon stash combien de grammes il me restait, et je l'insérerai dans le projet, comme ça revient, ça permet de mettre à zéro le stock par rapport à ça. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe avec ce châle? Donc là, j'en suis à peu près, je dirais, aux trois quarts du premier triangle, on va dire. Donc ce qui se passe avec ce châle, c'est qu'en fait, je préfère l'envers. Parce qu'à l'endroit, je fais des rayures pour atténuer la transition. On est bien d'accord. D'accord? Mais du coup, ben, je suis pas trop trop fan des rayures en plein milieu des triangles et. Sur l'envers, en fait, ça passe beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est un châle que je vais porter à l'envers. Ce qui est un petit peu dommage, du coup, c'est que la bordure est beaucoup plus jolie à l'endroit. Hein. Vous avez le. Une espèce de. Une ligne de mailles glissées. Alors qu'à l'envers, bah, c'est de l'envers, quoi. Voilà. C'est pas moche, mais c'est moins joli que l'endroit. Et pareil, les trous-trous, comme ils sont faits sur l'endroit, à l'envers, le fil ne passe pas de la même façon. Mais bon, de loin, excusez-moi, mais on verra pas non plus une différence de fond. Ah, là, ça passe mieux les couleurs. Vous voyez, c'est quand même vachement joli le fondu ici, plutôt que la rayure ici. Enfin, c'est mon avis, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plus sympa. Voilà. Pardon, j'ai eu un message. La nounou de ma fille qui me demande comment va ma fille parce qu'elle avait de la température hier soir. Parenthèse de vie perso fermée. Elle va bien. Donc je continue comme ça, mais je pense que je le porterai à l'envers. Donc comme vous voyez, j'ai mis les petits pandas parce qu'il est un petit peu au dodo parce que j'ai fait autre chose en attendant, que je vous montrerai juste après. Mais c'est vraiment sympa. C'est un projet qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup le modèle et en plus ça me permet d'utiliser quand même. Des restes et normalement j'en aurai pour je crois qu'il y a 300 grammes de restes qui vont dégager. C'est quand même pas rien.
En regardant un petit peu le patron, normalement, je suis obligée d'utiliser. Je regarde. Quand même un écheveau qui était encore pas entamé. Mais vu comment le châle est en train de progresser et tout ce qui me reste comme reste, je suis même pas sûre de devoir l'entamer. Je pense que j'aurai assez avec. Parce que j'ai encore des restes de ouf. Hein, j'ai encore des trucs comme ça où vous avez du 40, presque du 40 grammes, quoi. Donc je pense que. J'aurais pas besoin de cet écheveau-là. De toute façon, c'est un des plus foncés, donc si jamais j'arrive au bout du châle et qu'il me manque quelque chose, ça sera la suite logique. Donc, ça sera... normalement, ça sera la suite de ça. Ouais, vous voyez, ça va. Ou alors, ça sera peut-être derrière ça. Ouais, là, c'est par contre, c'est un peu dommage. Parce qu'après, je peux encore mettre ceux-là. Là, c'est un noir-noir. C'est un reste de Malabrigo soc noir que j'avais utilisé pour mon A Hint of Summer Caramel rayé noir. Voilà. Voilà pour ce projet que je kiffe, mais que je ne tricote pas en ce moment. Ça ne saurait tarder. Mais c'est bien parce que je veux dire, c'est du point mousse, en veux-tu, en voilà. Donc moi, j'adore. Donc c'est un peu le projet repos. Donc quand j'en ai marre de faire autre chose, en même temps en ce moment je fais pas des projets très compliqués, il n'y a pas de torsade, il n'y a pas de motif de ouf, mais voilà, il est sympa quoi. Donc ça c'est le deuxième en cours, Anna Summer, I Smell Snow. Troisième en cours, alors pareil, celui-là en fait je l'ai repéré depuis longtemps, enfin depuis avant sa sortie, et j'attendais le jour de la sortie pour le castonner, et je l'ai castonné tout de suite. C'est un pull pour ma fille d'un patron qu'a créé Anna, Along avec Anna. Qui est vraiment aussi une créatrice de talent. Elle fait des trucs pour enfants, mais super, quoi. Enfin, pour enfants. Elle fait aussi des trucs pour adultes, mais des trucs. Comment je parle, moi? Des pulls, des gilets pour enfants et pour adultes qui sont vraiment très très jolis. J'aime beaucoup. Comment dire? Elle amène dans ses patrons une touche délicate. Enfin, moi, je trouve qu'elle a un style délicat. Je sais pas comment dire, mais après, ça va avec sa personnalité. Elle a l'air tellement gentille, tellement douce. Ses patrons lui ressemblent, je trouve. Et donc, le Mariek, mais je pense qu'elle a dit qu'on disait Marik. Marik est sorti vendredi et directement, j'ai castonné. Donc là, pour l'instant, j'ai fait les deux manches. J'ai fait les deux petites manches. Donc j'ai commencé par le plus pénible, magnifique. Après il restera le, je pense que là tout de suite, enfin tout de suite après le podcast, dans la prochaine fois que je tricote dans la journée, je vais castonner le corps et je vais commencer à monter le corps parce que voilà, je pense que c'est un projet qui va quand même aller assez vite. Et puis pareil, on est le 14 février, l'hiver se termine. Alors en ce moment il fait extrêmement froid dans nos contrées, dans le nord il fait super froid. Il se termine pas si vite que ça l'hiver. Je pense qu'on en a encore pour un bon mois à cahier et à partir de mi-mars, avoir un peu les projets à faire. Mais bon, voilà. Bref, donc les deux manches. Alors, moi j'utilise de la Fonty et Baby Merino qui en ce moment a quand même. Qui en ce moment a quand même un petit un resuccès. Non, parce que c'est vrai que ça discute beaucoup en ce moment autour des laines plutôt unies, autour du fait que ça commence, enfin les prix de certains échevaux dans certains teinturiers flambent un petit peu et que ça devient abusé de payer 100 euros un kit pour faire des chaussettes, enfin blablabla. Et donc on revient parfois un petit peu à des basiques. C'est vrai que moi je réutilise pas mal de la Drops en ce moment. Ça, de la Fonty. Alors la Fonty elle est quand même pas non plus donnée, mais par rapport à des échevaux teints à la main, c'est quand même moins cher. Hein. On va quand même rester logique. Et donc là on est sur un prune assez foncé. Si vous voulez le numéro du coloris, eh ben il n'y a pas. Ben mince alors. Ah si, 899, 80... 899, je pense que c'est le nom du bain en fait, mais j'ai pas de nom de coloris. Et après j'ai 821, 113.
Alors, quelqu'un m'a conseillé en commentaire dans l'épisode précédent par rapport à la caméra, qu'on est tous en train de se prendre la tête avec les caméras, avec nos caméras qui font le point là. Alors qu'en fait, ce que m'a conseillé cette personne, je ne sais plus c'est qui, je suis désolée, mais je te remercie, c'est vraiment de se mettre bien alors en face de la caméra et surtout d'attendre et pas commencer à bouger, 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 parce que la caméra n'a pas le temps de faire la mise au point. En fait, il suffit simplement de rester sans bouger. Et normalement, il finit par trouver le truc. Bon, là, forcément, je tremble, donc je suis peut-être pas assez prêt. Voilà. Faut juste faire preuve d'un petit peu de patience, en fait. Donc voilà, j'utilise cette laine-là comme couleur principale et comme couleur contrastante pour que ça tranche vraiment bien. Bah en fait, j'ai décidé de claquer du blanc. Enfin, c'est de l'écru en fait. Donc c'est de la Malabrigo Soc couleur naturelle, coloris naturel. Voilà. Donc là, super, le jacquard s'est bien passé, mais bon, pour l'instant, ce n'est que la manche, hein, mais voilà, ça s'est quand même super bien passé. Et après, pour ici, je suis assez confiante. Alors, soit je fais tout en blanc, enfin en écru, soit j'hésitais à peut-être insérer. Alors, j'ai du rose pâle et j'ai du jaune, donc ça serait un petit peu comme les couleurs d'origine, hein. Je ne sais pas si je les ai, les couleurs d'origine. Le mariage, je ne sais pas si je l'ai imprimé. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non. Non, je l'ai pas, je crois. Non, je l'ai pas, le mari. Bon, c'est pas grave. Le marié, on dit Marie. Ah! Mais voilà, après, vous avez un motif ici de petites flèches qui. Voilà, on peut faire ce qu'on veut en fait. On peut faire une autre couleur, on peut faire la même couleur, on peut faire deux fois la même couleur pour les flèches, mais laisser. Enfin voilà, libre à chacun de faire ce qu'il veut comme imagination. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, on n'a que deux couleurs, enfin que deux fils en même temps. Donc je vais pas avoir le souci du fameux jacquard trois fils en même temps. Parce qu'en fait, c'est pratiquement mon premier jacquard. J'ai fait un bonnet au tout début. J'ai fait un bonnet au tout début de mon aventure tricot. Il y a 3 ans, j'ai fait un bonnet. En jacquard, la dingue quoi, je tricotais depuis 2 mois, allez hop, un bonnet en jacquard, que je ne porte évidemment pas parce que, alors il était réussi, mais je l'avais fait en acrylique, c'est du carton machin, c'est un acrylique de mauvaise qualité, il est pas chaud, le jacquard est quand même un petit peu trop serré, donc par rapport à la tête, pour bien le positionner, il remonte, donc bon, voilà, je l'ai laissé tomber, il est de côté, mais voilà. Donc finalement c'est quand même un de mes premiers jacquards, mais enfin voilà, je panique pas quoi, je le fais et puis on verra bien si c'est trop serré, ma foi, ce n'est qu'un pull pour enfant, c'est pas dramatique. Par contre je ne change pas de taille d'aiguille, je reste sur la même taille d'aiguille, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà pour le pull Maric qui avance tout doucement et qui va sans doute être repris là dans la journée. Voilà, et le tout dernier en cours, alors là par contre c'est un gros morceau aussi, il s'agit d'un gilet adulte pour moi, qui n'est pas du tout rigolo, mais alors pas du tout rigolo, parce que c'est un gilet noir, je voulais un gilet noir que je tricote en pareil, drops, hein, le retour en force de la drops comme je vous le disais, parce que vous avez remarqué en ce moment, en fait, c'est la mode tricotesque sur trois trucs. Les fades, fade-id et compagnie. Le jacquard, qui revient énormément en force. Alors, autant dans le monde du tricot que dans les magasins de commerce classique. Et les pulls en mohair. Alors ça, c'est trop rigolo parce qu'à un moment donné, on ne voyait plus trop ça. Et puis tout d'un coup, je pense que c'est un peu depuis le sur un nuage, ça y est, il y a du mohair partout, c'est le retour en force du mohair. Et quelque part, c'est pas bête parce que c'est vrai que c'est quand même hyper agréable à porter en fait. Puis ça donne un côté très juteux au tricot, bon voilà. Donc pareil, je me suis dit, allez, je craque aussi, je vais mettre du mohair dans mes petites affaires. Et donc là, j'ai décidé de faire un gilet noir avec. Il a quand même du mal, hein. Moi, t'es pas cool.
Mon conseil de tout à l'heure ne fonctionne absolument pas. Bref, la Baby Merino de Drops, alors noir, c'est la couleur 21, et la Kid Silk, la fameuse, hein, parce que de toute façon, dans le monde du mohair, bah, il n'y en a pas 150. Hein. Enfin, si, il y a de plus en plus aussi de teinturiers indépendants qui font du mohair, c'est vrai. Et là, on est sur la couleur 02, c'est le noir noir. On m'a posé la question, ah, c'est du gris? Non, non, c'est noir noir noir, c'est le noir noir noir. Et donc, avec un mélange de ces deux bruns, je fais un gilet que je vais essayer de vous mettre sur un cintre. C'est le tout début, c'est-à-dire que là, je viens de finir le dos, les devants, j'ai rattaché, et maintenant, c'est parti, je suis en train de faire l'aller-retour du corps. C'est du noir, hein, donc ça va pas être super. Ouais! Heureusement, comme j'ai un excès de luminosité, en fait, du coup, ça fonctionne. Mais quel est ce patron? Enfin! Le Black Barlow, donc c'est ce gilet qui est un gilet noir bon, qui est prévu hein, pour être tricoté avec du mohair en déca, donc avec un fil double. Maintenant, comme vous voyez, il y a une grosse différence, hein, j'ai pas fait le motif. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas rigolo ce gilet, parce que c'est noir. Donc tricoter du noir, bon, on voit rien, le soir c'est pas évident, c'est pas hyper rigolo. Et en plus, je fais le gilet de façon encore plus basique qu'il ne l'est, c'est-à-dire que je ne fais même pas les jetés. Je fais pas les jetés parce que c'est très joli, hein, je dis pas, hein, je trouve ça. Je le trouve très très joli. Mais quand j'ai vu les photos, alors pas les photos du patron original, mais les photos des autres personnes qui ont tricoté le gilet. Avec les trous, il y a un truc qui me gêne, je sais pas quoi, mais voilà. Et j'avais pas envie de me retrouver avec un gilet, parce que là c'est clairement un basique de chez basique, donc autant rester basique jusqu'au bout, et en fait je le fais sans le motif. Donc je ne fais pas les jetés. Et donc ici il y a un principe d'augmentation, forcément pour revenir à la patte de boutonnage principale au centre, qui est faite justement grâce au jeté, parce qu'à chaque fois il y a un jeté en plus. Donc moi forcément j'ai changé de patron et je fais des augmentations M1R, M1L, tout simplement, pour augmenter sans qu'il y ait de trous. Hein. Sinon moi ça n'aurait pas de sens qu'il y ait des trous comme ça de chaque côté de la patte de boutonnage. Donc voilà, je reste hyper basique, comme ça va vraiment me faire un gilet que je vais pouvoir mettre vraiment avec tout et surtout qui va être bien chaud parce que là c'est quand même vraiment agréable. Hein. En plus, les échantillons de Marie-Amélie sont quand même assez serrés. Je crois qu'elle tricote quand même serré, presque plus serré que moi, je pense. Ce qui fait que moi j'avais le bon échantillon, même à une maille près, mais pas dans le même sens que d'habitude. D'habitude, j'ai par exemple, je vais avoir 26 mailles pour 10 cm alors qu'il en fallait 23 ou 24. Là c'était l'inverse, j'avais 21 mailles alors qu'il en fallait 22. Donc elle a tendance à tricoter encore plus serré que moi. Wouh! Mais bon, là, à une maille près, je fais la taille 2 classique, quoi. Je vais avoir un peu d'aisance positive. Je vais avoir 10-12 cm d'aisance positive, je pense. Mais pour un gilet comme ça, c'est normal. Surtout que c'est un gilet qui tombe un peu aux épaules, comme ici le pull. Hein. Donc, tout boulot. Voilà, donc là, je faisais ça en ce moment. Là, dans les 2-3 derniers jours, j'ai fait ça. Je crois que je l'ai monté dimanche ou samedi. Enfin, je l'ai monté ce week-end, et puis là on est mercredi, donc voilà, j'ai déjà fait ça, donc ça va quand même assez vite. En déca, en 4, je pense que le corps peut être fini assez rapidement. Donc là, mon objectif c'est plutôt de finir le corps ici, de faire le pull, le maric, le châle, c'est pas la priorité, et puis bah, les manches du Anna Summer Cardigan. Donc quand j'aurai fait tout ça, j'envisagerai la suite un petit peu plus sereinement. Voilà! Voilà ce que je pouvais dire sur ce gilet pour l'instant. Donc il est chouette, hein. C'est vrai qu'il a pas été beaucoup tricoté encore ce gilet-là de Marie-Amélie. Donc n'hésitez pas, c'est encore la saison pour le faire. Voilà pour les encours, c'est quand même déjà pas mal. Alors, en ce qui concerne les futurs projets, donc c'est ce que je disais tout à l'heure hein, par rapport à la mode actuelle, il y a beaucoup de choses en mohair qui sont tricotées en ce moment, et notamment Atelier Émilie a sorti quand même un super joli pull, le pull secret, pour lequel je n'ai pas non plus été, comment dire, insensible, hein, il m'a plu aussi.
Le souci, c'est que forcément, on va mettre un film OR dedans, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. C'est que là, j'ai déjà prévu le Black Barlow. J'ai encore des projets en DK qui traînent. Je n'ai pas monté le Grand Pas Cardigan, alors que j'aurais dû. Donc j'ai encore des projets en DK qui traînent. Et j'ai encore un projet en MOER à faire après, dont je vous parle après. Donc je pense que ça va être compliqué de faire le pull secret cette année, parce qu'on est, encore une fois, on est mi-février, et que d'ici un mois, 2 mois grand maximum, je pense que ça va être difficile de tricoter des gilets épais et avec des fils à poils et compagnie. Donc je pense que pour terminer la saison, j'ai déjà suffisamment en stock et en projet déjà prévu pour terminer la saison hivernale. Et je pense qu'à partir du printemps, avril, on va se remettre à faire des projets en fingering, des pulls en fingering. Là, j'ai de quoi faire, il n'y a pas de souci. Mais là, donc je suis un peu frustrée parce que vraiment il est très 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 joli ce pull. Autant je n'ai pas flashé sur un nuage qui est très beau aussi de Nadia Créteil-Leschenne, mais qui, moi ce qui m'embête c'est le V dans le dos. Un pull épais d'Eka en mohair avec un dégagement de la nuque, je trouve ça un petit peu bizarre. Je me vois pas, je vais avoir froid quoi, donc je me vois pas le faire à cause de ça. Après il y a peut-être moyen d'adapter, mais. La grosse flemme, donc je ne l'ai pas fait ce pull-là. Et du coup, pour moi, le pull secret est un bon compromis. Permet un peu de remplacer ça parce que c'est un pull hyper basique aussi. Super chouette. Avec en plus une possibilité de un côté dentelle qui va très bien avec aussi, qui vient réagrémenter le tout, qui donne la touche d'originalité, donc c'est bien. Donc ça sera l'année prochaine, probablement. Si je craque pas d'ici là, vous savez bien que entre ce que je dis dans un épisode et ce qui se passe à l'épisode suivant, ça peut évoluer. Donc voilà, il faut que je me dépêche. Donc pour finir les projets en DK prévus, pour finir les projets en MOER prévus, là, dans les 2 mois maximum à venir, parce qu'après, après c'est le printemps et c'est cuit, quoi. Autant ça ne me dérange pas de tricoter l'été, autant tricoter des projets en DK. Non, en DK encore peut-être que ça irait avec une laine sèche, mais en MOER, non. Non, faut pas abuser. Faut pas abuser. Mais du coup, en futur projet, j'ai donc le prochain projet en mohair. En fait, j'ai eu un petit coup de cœur sur un pull qui m'était un peu passé sous le nez. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas remarqué, alors que finalement, il est assez populaire. Mais quand elle est venue à la maison, Héloïse, elle portait le pull. Hop. Le pull Miroménil. Voilà. Et donc en fait, c'est un pull qui peut se décliner de plein de façons différentes. On peut faire version courte, version longue, version large, version fitée, avec un motif ici, pas de motif. Enfin voilà, donc il y a quand même plein, 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 plein de choses. Et moi, j'ai flashé sur un modèle en particulier que j'ai trouvé sur Instagram, sur Ravelry. Je l'ai mis dans mes favoris, si vous voulez aller voir c'est lequel. Et je vais faire cette version-là. Donc c'est un pull, à version pull, donc qui s'arrête aux fesses. Avec ici les augmentations qui partent un petit peu en vaguelette au niveau de la poitrine. Et par contre, les manches fitées. Je vais faire cette version-là. J'ai vu aussi que Cocotnitz le tricotait. Donc comme quoi, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai été un peu happée par ce modèle. Et donc moi, je vais le faire en vert. C'est rare, hein, ça, avouez-le. J'avais dans mon stage, dans mon stock, ces échevaux-là qui sont en fait de la Sport. 350 mètres pour 100 grammes. Et en fait, c'est de la... Oups. Sobel, Sobelia. Petit olive, la colorie. Donc 100% mérino, 350 mètres pour 100 grammes. Et si on est sur un vert très, très facile, très doux, kaki, enfin voilà, pas de soucis particuliers. Et donc pour avoir la bonne épaisseur, parce que le pull Miroménil se tricote en worsted, si je ne me trompe pas. En worsted. Je vais regarder l'échantillon. Ouais, c'est un échantillon de 18 mailles pour 25 crans. Donc ouais, on est plus sur de la worsted. Et moi, j'ai fait mon échantillon, je suis à 19 mailles pour 25 crans. Donc un mélange des deux, c'est assez sympa. Alors on n'est pas vraiment sur le même vert, hein. Celui-là est beaucoup plus foncé. Mais ça vient du coup apporter quelque chose d'assez lumineux. Faudrait peut-être que je vous montre l'échantillon.
Donc l'échantillon, bon, oui, il est ridicule, j'avoue, j'ai pas fait les 10 cm, machin, mais j'avais pas envie. Surtout que là, on est sur un pull, on n'est pas à 1 cm près ou deux d'aisance, hein, on s'en fout. Donc voilà, vous voyez sur l'échantillon, du coup, le mélange des deux fils permet de faire une espèce de vert nuancé, en fait. Donc c'est quand même sympa. Et je trouve que c'est marrant, hein, parce que si on met les trois en face, on reconnaît ni l'un ni l'autre, quoi. C'est vraiment foncé, clair, et puis là vous avez le mélange au milieu qui est super rigolo. Voilà. Donc ça c'est mon futur projet, le Miromesnil, que je dois me grouiller de faire avant la fin de l'hiver aussi. Mais bon, non, c'est un gilet en déca, donc ça devrait être relativement rapide. Et enfin, au niveau de mes achats de laine, j'ai acheté, donc à la cabane, comme c'était la dernière fois que j'y mettais les pieds, j'ai évidemment acheté de la laine, faut pas déconner. Donc j'ai pris de quoi me faire une marinière, toute simple, écrue bleu marine. Il y avait les quantités de laine qu'il fallait, et en biscotte yarn, qualité Bissoc, donc hyper doux, hyper moelleux. Regardez-moi, faire le truc, c'est juste top. Le bleu est bien. Bon là, il est beaucoup trop clair. Hein. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la couleur du bleu, qui est un vrai bleu marine, mais très lumineux. Et puis l'écru, c'est de l'écru, quoi. Voilà, c'est tout, tout simple, tout simple. Donc, je vais sans doute partir sur le modèle Ravello, parce que je l'ai déjà fait et que j'ai revendu le mien. Donc, voilà. Ou alors un autre, on verra bien. Mais de toute façon, c'est un projet que je ne fais pas tout de suite, hein, vous l'aurez compris. Ça sera plus pour le printemps, quand il y aura. Quand tous les pulls en mohair seront tricotés. Et j'ai aussi acheté, pour me faire plaisir, j'ai acheté un écheveau solitaire. Oh my god! C'est pas bien ça. Mais vraiment, il était trop, trop, trop joli. En plus, je l'avais déjà eu dans les mains la fois précédente où j'avais été. Je ne l'avais pas pris, puis là, je l'ai pris. C'est celui-là. Donc, il est super beau, hein. On est sur un mélange de gris et de caramel. Ça marche bien aussi, ça, hein, les mélanges de gris et de caramel. Et donc, c'est de la Walk Collection. Ça marche pas si bien que ça. Hein. Cozy Merino, 100% super wash. Merino, 366 mètres pour 100 grammes. L'idée est de faire avec un châle, avec de la glaise pécan. Je ne l'ai pas pris, hein, mais bon, voilà. De la glaise pécan. Et je lui cherche un petit compagnon pour une troisième couleur. Sans doute pour faire un vortex shawl. Bonjour, je suis un mouton. Mais j'ai aussi Héloïse. En fait, Héloïse, elle est venue à la maison et à cause d'elle, je veux faire le Miromesnil. Je veux faire le Vortex Shawl parce qu'elle l'avait autour du cou et que il n'y a rien à faire. Quand on voit certains projets en vrai, ça me parle beaucoup plus que quand on les a vus en photo. Et là, vraiment, autant je pensais pas faire ce châle-là, autant l'avoir vu sur elle. Et puis après, je l'ai essayé. J'ai même essayé de lui voler, mais elle n'a pas voulu. Eh ben, je veux le faire maintenant, donc avec cette laine-là, de la glace pécan, et puis je lui cherche un petit compagnon. Il faut quand même trouver un truc qui tranche bien parce qu'il y a de la brioche. Donc normalement, ça pourrait passer avec de l'écru, mais pff, je suis pas sûre, je suis pas convaincue à 100%. Je voulais utiliser des restes, mais finalement ça ne va pas. Donc je pense essayer plutôt de trouver un gris clair qui rappellerait ici en fait, qui rappellerait plutôt ici les parties les plus claires. Comme ça tranchera bien dans la brioche. Je pense que ça tranchera bien. J'ai vu dans mon stash. Alors, j'ai un tout petit reste, mais ça sera pas suffisant du coup, de Madeline Tosh. Je pense que c'est le coloris Smoky Stack. Donc, peut-être que je vais peut-être me racheter un écheveau de Smoky Stack pour aller avec. C'est en réflexion. C'est en réflexion. Voilà, bah dites donc. C'était un épisode un petit peu plus long que d'habitude quand même. Là, je vais clôturer. Je vous ai tout montré, je vous ai tout blablaté. Donc, on va se retrouver normalement en mars pour la suite, que les encours se transforment en projet terminé et que je puisse vous montrer notamment j'espère, le Anna Summer Cardigan, qui est aussi très 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 sympathique, qui est aussi un très bon basique. Ah si, une dernière chose avant de clôturer l'épisode, un autre achat que j'ai fait et qui n'a rien à voir, enfin si, ça a à voir avec de la laine, j'ai acheté la fameuse lanoline qu'avait préconisé l'Irbis dans un de ses épisodes il y a très longtemps, hein, les conseils de Mamie l'Irbis, la lanoline liquide,
qui est censée adoucir les tricots. Donc c'est une personne qui m'a rappelé ça, je ne sais pas qui, sur Instagram, qui m'a dit, ah oui, par rapport justement au pull que je porte ici, hein, le Wolf River, en charisma qui gratouille un peu, elle m'a dit, bah tu sais, pour rendre les tricots doux, il faut utiliser de la lanoline, l'Irbis en a parlé, c'est vrai que je m'en suis souvenue et tout ça. Donc je l'ai acheté et j'ai fait tremper mon Wolf River toute la nuit dans un bain avec de la lanoline. C'est pas miraculeux. Alors je pense qu'il est quand même moins piquant que la première fois que je l'ai porté. Mais voilà, il n'est pas non plus. Alors, est-ce que c'est pas moi qui n'ai pas très bien utilisé la lanoline? Parce que vous voyez, j'ai pas mis beaucoup. Hein. J'ai mis. On voit la séparation ici. Voilà, j'ai juste mis ça en fait dans l'eau. Est-ce qu'il faut en mettre plus? Est-ce qu'il faut laisser tremper plus longtemps? Est-ce qu'il faut mélanger de façon particulière l'eau avant de mettre le projet? Parce qu'en fait. J'ai mis de l'eau, j'ai mis le truc et j'ai mis le pull. Donc en fait, comme c'est huileux, ça s'est pas vraiment très bien mélangé. Donc enfin, voilà. Si vous avez des astuces, si vous pouvez me dire comment vous faites pour utiliser la lanoline pour laver vos tricots, je suis preneuse parce que je ne sais pas trop moi comment c'était censé être utilisé. Alors oui, ça s'est un petit peu adouci, mais ça n'a pas été le miracle escompté non plus. Donc je suis preneuse de conseils sur la façon d'utiliser la lanoline parce qu'en même temps, il y a un mode d'emploi ici. Mais c'est plutôt utilisé pour la peau, j'ai l'impression. Et surtout, il y a une étiquette énorme que je ne peux pas enlever qui cache le mode d'emploi. Super intelligent. Bref. Je l'ai acheté sur Amazon, soit dit en passant, si vous voulez savoir. Voilà. Donc, je suis aussi preneuse de conseils par rapport à la lanoline qui n'est pas du tout maîtrisée en ce qui me concerne. Ça y est, c'est vraiment le mot de la fin. Cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon tricot et au mois prochain. Salut!